Bonjour, bonjour mes amis. Souvent, on me pose des questions. La différence, excusez-moi, je suis à moins 3 degrés là. Donc, si je parle de travers, vous allez m'excuser. Donc, j'ai les mains aussi un peu gelées. Souvent, on me pose la, c'est quoi, la, on me pose des questions. C'est quoi la différence entre une courroie de distribution et une courroie d'accessoires, quoi d'accessoires ou quoi d'alternateurs. Ben, il y a une qui est visible et l'autre qui n'est pas visible. L'autre visible et l'autre n'est pas. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer les deux en fonctionnement et vous allez pouvoir les voir tous deux à nu. Donc, c'est pas un souci. Alors, premièrement, courroie d'accessoire ou courroie d'alternateur, ben c'est ça, tout simplement. On le vend comme ça. Et en général, si on quitte les courroies de distribution, qu'on appelle aussi. Ne zappez pas, on va voir en fonctionnement. On appelle aussi courroie crantée, parce que regardez bien, elle a du cran, hein, cette courroie, elle a du cran. Et là, c'est strié, mais ça peut avoir du cran aussi. Mais on va voir comment ça fonctionne. On va les voir, enfin, on va les voir en place, quoi, tout nu, dans leur emplacement. On va prendre de quoi? On va prendre un peu d'éclairage. Alors, les voilà. Et voilà. Ici, courroie. On a un double courroie de distribution. Et ici, courroie d'accessoire. Un peu plus au fond, pour courroie d'alternateur. Et là, on va voir comment ça fonctionne. Maestro, musique. Donc, on peut le voir en synchronisation. C'est pas difficile. La musique est belle. C'est tout simplement ça. Alors ici nous sommes sur ici nous sommes sur un moteur 1 litre 4 1 litre 4 16 valves. C'est une Seat Ibiza. Donc on peut voir que tout tourne bien, il n'y a aucun souci. Maestro, arrête la musique. Voilà. Les amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro. N'oubliez pas de cliquer. À moins 3 degrés là, ça caille. Je vous dis à bientôt et au prochain numéro.